Bonjour, bonjour à tous, c'est Olivier qui on se retrouve aujourd'hui sur la suite de Planet Zoo pour la montagne arctique. La montagne arctique, on a installé l'enclos Rennes lors de la précédente vidéo. Nous sommes toujours en Light Twitch, bonjour Ypsilon, John, Drix, Nia, Lorela, Raraji, le docteur, etc. Bonjour tout le monde. Et nous allons nous occuper de l'installation de tout ce qu'il faut pour l'éducation, les donations, les sites d'anation, hein, pour s'asseoir. Et le confort global des gens qui viendront voir cet enclos de Rennes. Donc ici et là. Après, on se lancera sur le contour de cet enclos loup arctique. Avant de faire l'enclos en lui-même. Parce qu'il va falloir que les gens viennent. Donc il faudra qu'on s'occupe déjà de ça. Je pense même que... je les ferai venir jusqu'ici, et après ils descendront pour arriver ici, à partir de là. Et par là, ils pourront repartir vers l'ours polaire. Comme ça, ils tourneront tout autour de l'enclos. Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Bon, du coup. Ici, service. Il nous faut déjà des dispositifs d'apprentissage. Apprenons. Je sais pas si ici ça marche, mais... enfin, je pense, hein. Je vais en mettre plusieurs. Je sais pas s'ils viendront jusque-là, mais... mais je mets, quoi. Ensuite, là... De toute façon, ils voient à travers les murs. Hein. Au début, ça me gênait de faire ça, mais... maintenant, on s'est bien rendu compte que... ils voyaient à travers les murs. Hein. Ok, je vais mettre ça par ici. Je vais en mettre un autre. Comme ça. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un là. Si jamais, hein. Quelqu'un aurait l'envie d'aller plus tout au fond, quoi. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, les speakers. Ça touche la route en haut. Je vais peut-être plutôt le poser sur le mur. Je vais le poser comme ça. Et rapetisser. Vu que maintenant j'ai une montagne de l'autre côté. Ça fait utiliser les deux, c'est pas mal. Ça, j'ai presque envie de le décaler. Pour le mettre dans le creux, là où il n'y avait pas de speaker. Ok. Ensuite. Sur le plateau, là où il y a le générateur, tu peux mettre le village avec le grand sapin. Ah ouais, c'est bien vu. C'est bien vu. Effectivement. Je vais le mettre sur ça. Pas impossible que... ouais, c'est ce que j'allais dire. Pas impossible qu'on ait l'angle pour aller chercher quasiment sur la route.
C'est pas mal, c'est pas mal. Tout le tour est quasiment pris. On est bien. Bon, du coup, ils subissaient quoi, les rennes? Je m'en souviens plus. Ils subissaient, de toute façon, la chasse. Donc, je vais mettre chasse, braconnage, tac. Ici, je vais mettre un réchauffement climatique. Écotourisme, je vais mettre là-haut. Là, c'est des rennes. Ici, il n'y a pas. Ici, c'est des rennes. Ici, c'est des rennes. Ici, je vais mettre déforestation. Ici, je vais mettre réchauffement climatique. Rennes. Rennes. Et la chasse. Non, bon, fragmentation de la population. Hein. Pas mal. Donc ça, c'est bon. Normalement, au niveau éducation, on est pas mal. Normalement, on est pas mal. Ensuite, je vais ajouter, évidemment, les dons. Parce que c'est important. On aime les sous. Tac. Ça m'étonnerait que des gens arrivent jusque là, mais bon, au cas où, au cas où, au cas où. Hein. Je vais en mettre un dans l'angle, parce que... avant de repartir, on sait jamais. Hein. Ce serait bien d'y penser. Je vais en mettre un autre ici. Ça a complètement fait friser. Un autre ici. Un autre ici. Un là-haut. Un là. Plutôt que de te plaindre, sors des sous, toi. Pour nous aider à améliorer le confort de nos animaux. Hop. Ensuite, des bancs. Des bancs thème. Arctique. J'en mets beaucoup, hein. J'en mets beaucoup, mais je pense que c'est pas de trop. Et les poubelles. Tu vois, en poubelle, il y en a Arctique, il n'y en a qu'une seule. Je sais pas s'il y a vraiment un... Je sais pas s'il y a vraiment un... Un côté... tri, on va dire. Ça, ça vole. On va peut-être le virer tout de suite. Ok. Ok, ok, ok. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Au niveau don et apprentissage, quoi. Normalement, on est bien. Il n'y a plus qu'à faire la recherche, quoi. Bon, la poubelle juste devant le truc. Est-ce que c'est vraiment la meilleure idée? Est-ce qu'ils vraiment ils vont s'en plaindre, d'ailleurs? Non, mais... Ok, alors, ensuite on va passer sur l'enclos d'à côté. On va amener... Oula, non, peut-être pas autant. On va amener la route. La route, j'ai dit. Ouais. Ça, ça va partir du coup jusque là-bas dans le coin. Il faudra que je vois ce que j'en fais sur le bord ici. De ce côté-là.
Je peaufinerai un petit peu pour arranger après. Faut que je vois ce que je fais ici. Parce que là, on sera côté, du coup, Afrique. Donc, ah, faudra voir. Et par là, on aura du coup l'enclos ours polaire. Là, je peux agrandir. En vrai, ça va, j'ai encore 137 000. Du coup, j'ai mis poubelle de tri en plus dans les eaux. Et là, j'attends de voir. Mais certains visiteurs préfèrent jeter dans la poubelle de tri plutôt que normal. Qui sont côte à côte. Ouais, je sais pas, je sais pas. C'est possible, hein, c'est possible. Ce serait bien en vrai si c'était le cas. Mais... Salut Titan Burger. Générateur trop proche du chemin. Ouais, je sais, merci. Merci, merci. Il était là au début, histoire d'amener du courant et je le changerai. Chaque nouveau DLC, il rajoute du terrain. Pour pas être en manque de terrain. Non, non, non. Non, non. Honnêtement, je pense qu'il y a peu, il y a peu de zoos qui utilisent autant de terrain que ce que moi j'utilise. Je pense. La zone est tellement grande. En vrai, de ce que j'ai en tête, moi, là, je pourrais faire encore 3 zones. La zone Afrique, tropicale et une dernière. Ah, d'ailleurs, j'ai pensé à un truc. Vous allez me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous aimeriez un DLC, un petit DLC, pas un DLC énorme, genre celui Arctique, quoi. Un petit DLC genre à 5€, qui ajoute des espèces, exemple, pour les enfants. Genre on pourrait faire un enclos, un enclos avec des poneys, ou des petites brebis. Et où on aurait du coup la possibilité d'avoir des petits enclos ou... Des mini-fermes, ouais, c'est ça. Ce serait cool, en vrai, quoi. Parce qu'on on réfléchissait à qu'est-ce qu'on peut mettre comme espèce occidentale, bah voilà, quoi. Ma fille Chloé adore l'idée. Bah go, là, on est parti. On est parti. Va falloir leur donner l'idée, peut-être qu'ils l'ont pas encore eu. Non mais en vrai, ce serait trop bien, quoi. Un petit enclos de poney. Parce que c'est vrai que tu vas pas dans un zoo pour aller voir des poneys. Donc tu peux te dire, bah ils vont pas mettre des poneys dans Planète Zoo. Mais au final, si tu fais ça... Ça permettrait d'ajouter les poneys. Ah, j'allais dire pourquoi ça s'associe pas. Bon, ici, bah, c'est pareil, hein, ce sera à peaufiner au moment où j'installerai l'enclos ours. Disons que je ferme... Enfin, je rejoins les deux plateformes, quoi. Faudra juste voir... comment je m'y prends après, quoi. Pourquoi je peux pas remplir ici, là? Ah ouais, ok. Ok. Bon, ce sera globalement un truc comme ça, la zone, du coup. Avec l'enclos ours polaire qui sera posé par ici, et après on verra. La taille et autres, on verra. Petit hamburger, merci beaucoup, bienvenue à toi. Tu vas bien dans un parc à dino pour voir des chèvres. Pour faire des balades en poney et faire traire les chèvres, why not. Bon, après là, ce serait très poussé, quoi. Je pense pas qu'ils ajouteraient la possibilité de gameplay, quoi, mais... Ah, ou à moins que tu parles en vrai. Ah non, on pourrait faire, non, pardon. J'aime bien caresser les poneys et les chèvres dans les mini-fermes, moi. Je t'avoue que j'ai pas visité beaucoup de zoos dans ma vie. J'ai pas le souvenir d'avoir souvent vu des mini-fermes. Donc je sais pas s'il y en a dans tous les zoos.
Bon. C'est globalement correct, on va dire. C'est globalement correct. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'eau qu'il y a là. Tac. Enlever les clôtures. Tac. 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 Terrain. Terrain. Non, c'est pas celui-là. Faut que j'enlève cette clôture là aussi. Moi, j'ai enlevé tout le... J'ai enlevé partout en fait. Je suis en train de me dire... j'avais pas besoin de ramener cet enclos. Je suis en train de me dire j'avais pas besoin de ramener cet enclos. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais enlever ça. Oh, quoi que, tu vois, moi j'ai pas besoin de reposer tout ça, quoi. Oh, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Terrain ici. On aligne ici. J'ai quelques problèmes. Ouais, on verra bien, on verra bien. Bon, alors là, par contre, il y a un peu de neige et parfois, il y en a pas. Du coup, on sait pas trop où est la zone d'eau. On va faire un truc comme ça pour l'instant. Je vais reboucher là. Je vais reboucher là. Et on va dire que c'est correct. Tu feras un live zoo IRL et je te filmerai caresser une chèvre. Ah bah si, vous vous souvenez bien. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai montré, en tout cas sur Twitch, pas YouTube. Je vous ai montré quand j'ai caressé un cerf de Virginie. J'aime pas ça. Ça va me permettre de reculer ce rocher aussi. Ça va me permettre de reculer ce rocher. Sachant d'ailleurs qu'il faut que je sois à peu près en dessous. Hein. Comme ça. Ce problème de terrain qui disparaît est surprenant, on va dire. Bon, pour l'instant, on fait comme ça. Ce qui va me permettre d'aligner la route sur le côté ici. Ça devrait pas être gênant. Et on peut reposer l'eau. Waouh, terrain inondable. Incroyable. Nice. Alors du coup, allez, fais voir un petit peu. Viens t'amener tout autour sur la clôture. C'est pas la bonne taille, non. C'était 6. C'était 6. C'était 6. On a un petit trou ici, je l'ai vu, mais je vais pas m'embêter avec, c'est pas grave. Comme ça. J'ai oublié de fermer ici. Il faudra vraiment voir la terraformation de... Voilà. La terraformation de cet enclos. Loup arctique, de toute façon, ça vit dans les plaines, quoi. Non? Ça doit vivre dans des plaines, les loups arctiques. Faut que je ferme aussi, là, pardon. Je vais mettre un play vite fait, histoire de calculer. S'ils n'ont pas de point de fuite. Ça n'a pas l'air. Très bien, très bien, très bien.
Ok. Alors, pardon, j'étais en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe sur le chat? On s'en fout. On s'en c'est fout. Systématiquement. Merci, qu'est-ce qui se passe? Merci, Lord Scenery. Une fois, j'ai souhaité bonne journée à quelqu'un en hiver. Du coup, je lui ai dit Have a nice day. Du coup, allez. On va amener jusqu'ici et globalement, ça devrait faire. C'était pas fou. Hein. C'était pas fou. Hein. On a fait le tour, quoi. On a fait le tour. Comment je m'y prends pour faire cet enclos? Est-ce que j'installe une montagne? Dans la montagne? Sur la montagne? Je suis en train de me dire le tour ici. Je pourrais le changer, quoi. Je pourrais faire un enclos un peu différent. Enfin, un peu différent, non, ça resterait un enclos. Mais, faire en sorte qu'il descende. L'enclos. Je pourrais faire en sorte que l'enclos descende. Ce qui fait que la route descendrait aussi. Et on s'approcherait un peu plus de ce niveau-là. Et ça donnerait un peu de hauteur à l'enclos, quoi. Enfin, un peu de... Pas de la hauteur, d'ailleurs. Mais... Parce que le faire monter... à chaque fois, on fait monter, quoi. Après, j'aime bien l'idée. Où est-ce qu'il vient? Les loups arctiques. Je vais regarder sur Internet. Un peu de relief, ouais, c'est ça. Je vais chercher, moi. Merci. Oui, il faut une grotte. Bon, les grottes, je verrai après, quoi, mais... C'est surtout l'enclos en lui-même, tu vois, avoir une idée de base. Je vais aller regarder, il me semble que je l'avais déjà fait, mais il faut que je revoie. Je vais aller regarder où vivent les loups arctiques. Je vais vous montrer. Tu peux faire une cascade qui tombe de la falaise. C'est complètement le but, donc tout va bien. Ce soupir des enfers, pauvre. Il ne dit rien. Non, c'était pas fou. Non, mais en vrai, c'était pas si mal. C'était pas si mal, la blague. Alors, du coup, je vous affiche. Stream Internet. Tac. Loup arctique. Fais voir un petit peu ton environnement. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, il y a des montagnes derrière. Qu'est-ce que c'est beau aussi, ça. Regarde ça. C'est incroyable. Alors, c'est un peu flou. C'est flou, hein. Alors, le chargement, c'est pas une image incroyable, hein, non plus. Hein. Bon, en tout cas, il était joli, il est petit. Oh, j'ai envie de regarder des photos. Oh, regarde cette image incroyable. Oh. Oh là là là. Oh là 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 là. C'est beau, hein. Celle-là, là. T'es serein, là? Hier, on avait un débat vite fait sur Twitch. T'es plus serein devant un ours ou devant un loup? Je vois le loup faire ça, je te cache pas que je suis pas bien. Hein. Bon, du coup, environnement. Ça n'a pas changé grand chose dans la recherche. Waouh! C'est vrai ça? Ouah, c'est sublime! Oh, je fais ça! Tu pleures, tu cours. Je sais pas si courir vaut le coup pour le coup. Hein. C'est toi qui as doublé le loup dans le film Crawlant. Non, excellent bruitage. Ouais, j'ai les animaux, c'est vrai que. J'ai souvent fait. Demandez-moi un animal et je vous le fais. Oh! Tellement beau! C'est pas un loup, ça. Hein. Voilà, il a beaucoup mangé. Ouais, globalement, sa vie dort, quoi. Il
Fais-nous l'oiseau lire. Non, bah, demandez-moi des trucs que je connais. C'est beau, hein. Attends, tu sais que moi j'ai envie de rester à regarder. Hein. Tant pis, c'est fini, Planète Zoo. C'est un loup aussi, ça? C'est une nouvelle espèce de loup? Oh, regarde ça, des bébés loups. Oh, chiot loup. C'est incroyable. Dire qu'il y en a qui les chassent, c'est fou quand tu me dis ça. Oh! Waouh! Trop de mignonnitu sur ces photos, tellement. Tu fais un relief et tu fais un tunnel qui passe sous le relief et dans la grotte pour les visiteurs. Bon, c'est un truc qu'on fait globalement, qu'on a déjà fait, je pense. Je veux faire un truc un peu plus simple. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des lapins, ça? What? Mais c'est une boule de neige! Mais trop bien, le camouflage. Mais comment il marche? Il boule, il tourne, il roule. Ils sont pas tout le temps dans la neige. Hein. Et globalement, en vrai, on les voit pas spécialement dans la montagne, à proprement parler, quoi. Ça a l'air d'être plus proche d'une forêt dans la montagne que sur une montagne. Quelle est la différence? Je ne sais pas. Mais c'est vrai. C'est beau aussi, ça. Ardennes, un couple de loups arctiques débarque. Ah oui, j'allais dire. Ah bon, j'étais pas au courant dans un parc. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'avais vu une image. C'était laquelle? C'est celle-là? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, rien de particulier. Oh, c'est fou. C'est fou, hein. Grande forêt enneigée, ouais, je pense que je vais partir sur ça. Je veux des renards dans Planète Zoo. Pardon, excusez-moi, j'ai mis un coup dans le micro. Bébé renard. Il y a des lynx en plein exo. Non, il n'y en a pas encore. Aux infos à midi, ils ont montré un loup sur une piste de ski. Il profite de l'absence d'être humain. Ah, c'est vrai? Non, mais trop bien. Trop bien. Moi, je vous montre un truc. Hein. Regarde ça, comment c'est beau aussi, ça. C'est tellement stylé, je trouve. C'est le bébé, mais c'est le patron de la cour de l'école, quoi. Bon, il est flou, mais c'est le patron de la cour de l'école, quoi. Bon, pas dans cette position spécialement, mais... C'est tellement beau aussi, ça. Regarde ça. Oui, 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 oui. C'est tellement beau, les guépards. Souvent, j'entends dire les gens dire « Ah non, moi, je préfère les tigres ou les lions. Les guépards, c'est trop maigre. » Attends, c'est majestueux, je trouve, moi. Incroyable. Ah, oh, ça, c'est beau aussi. Non, mais on va pas se le cacher, hein. C'est incroyable, hein, mais... J'ai presque envie d'arrêter de jouer à Planète Zoo pour regarder que les photos. Plus grand, je sais pas si c'est mignon. Un renard? Un renard? Un guépard? Ah, si, c'est beau, les... Ah, j'adore, moi, les guépards. Regarde ça. C'est trop beau, je trouve. Regarde ça, c'est... Pfff. Tu vois toute la puissance, quoi. Oh! Au zoo de Cincinnati. J'y vais. Regarde ça! C'est beau, hein. Ah, si, si. Bon, bref. Bref, on y retourne. Les tigres blancs de Sibérie sont magnifiques. Arrête, arrête. Ah, non, me dites rien parce que j'ai envie de regarder. Tigre de blanc. Tigre de blanc, peut-être pas. Tigre de blanc. Tigre blanc. De Sibérie. Elle est drôle celle-là, non? Elle est plus drôle que non? Je sais pas.
Je trouve, honnêtement, c'est beau, hein, mais je trouve ça moins beau. Enfin, c'est pas que c'est moins beau, mais c'est que c'est moins mignon, je trouve. Même si c'est beau, hein. Pas de souci. Hein. Je trouve ça un peu. Tu vois, je préfère lui que lui, tu vois. Après, bon, il y en a un qui fait pas de grimace et un qui en fait une. Donc forcément, ça joue aussi peut-être un peu. C'est peut-être pas son bon jour. Hein. Voilà. Ça fait peur, ça. Imagine, t'es assis dans la forêt, tu te retournes et tu vois au creux d'un arbre. Ça. Les bébés guépards ont des poils blancs sur le dos pour ressembler au ratel qui est un animal que les guépards craignent. Ah, c'est intéressant comme information. Le tigre blanc Kenny. Ça va être lui, non? Ouais, c'est lui. Au parc des félins, quand j'y suis allé, il y avait marqué guépard animal solitaire et en dessous du panneau un tas de 7 guépards. On a demandé aux soigneurs et en fait c'était les bébés devenus grands mais pas encore séparés de la maman. Ça portait plus une portée sauvée. Lynx aussi. Ah merde, pardon. Lynx. Lynx, j'en ai vu une fois en loin. En vrai, dans la nature. J'en avais déjà parlé, je crois. Dans les Vosges. Oh, c'est beau aussi. Oh. L'autre coup, j'ai regardé un documentaire. C'est incroyable quand ça chasse un lynx. C'était un documentaire qui montrait la vie dans les forêts froides, ou je sais plus trop quoi. Et ils ont montré un lynx chasser un cerf. C'est vrai que le lynx, c'est pas si grand. Tu te dis pas, tiens, il chasse un cerf, quoi. Autant un lion qui chasse un gnou, c'est vrai que différence de taille, c'est énorme. Mais c'est un lion, tu vois. Le lynx, il a chassé le cerf. Incroyable. Incroyable, quoi. Oh, regarde ça, comment c'est beau. Après, c'est des très, très gros chats, ça. C'est beaucoup plus proche du chat que physiquement, je dirais. Que le guépard, le lion et autres. Lynx boréal. Oh là là. Bref, on stop. Stop, on arrête, on fera ça si vous voulez un jour. Mais on arrête. On retourne sur le jeu. Parce que sinon, on fait que ça. Des gros chatons, ouais, c'est ça. Un tigre qui attaque un homme, c'est impressionnant. Si c'est la vidéo en Inde, je crois. Quand ils sont sur... Quand ils sont sur les éléphants, là. Je l'ai déjà vu, c'est impressionnant. Ouais. Reclic, attends. Attendez, on m'a... Attends, je clique. Qu'est-ce que c'est? Je clique vite fait. Oh, c'est en direct! C'est incroyable! Attendez, je vous montre. Ah, oh, je suis pas connecté. Ah, merde. Sinon, j'allais dire... Wouh! Oh, bébé écureuil! C'est beau. Il y en a beaucoup de chaînes comme ça. Ah ouais, je savais pas. En vrai. Oh! C'est quoi ça? C'est un renard? Les oiseaux, par contre. Aucune idée. Hein. Aucune idée, hein. Y a quelqu'un qui peut aller dessus et dire coucou dans le chat, mais enfin. Si c'est vraiment en direct. Il essaie vraiment de parler à l'écureuil, bien évidemment. Le ratel est un animal ultra puissant que tous les prédateurs craignent car il attaque directement les parties génitales et les laisse mourir blessés. Sympa. Regarde un ligre. On avait déjà regardé tout ça. C'est plus joli en porte-clés. Deux. Qu'est-ce qu'il raconte, Pouic-Pouic? Merci beaucoup, Tommy, bienvenue à toi. C'est mignon, hein. Coucou. Wouhou. Incroyable. C'est en direct. Bravo. Ah, bah, bravo. Excellent. On est en train de faire la pub à un live YouTube sur Twitch. Je suis pas sûr que Twitch va apprécier. Mais bon. Tu vois, c'est en direct. Bon, après, le chat l'est, hein, mais... My name is Scott and I live in Northeast
Ohio. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Enfin bref, go. Go, go, go. Je vais couper ça parce que sinon on va entendre en fond. Du coup. Les viewers vont rien comprendre. Ils vont arriver, ils vont voir le chat. Quoi? Bon, quoi? Pourquoi d'un coup t'as trois personnes qui disent. Du coup. Du coup, cet enclos, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'on va pas faire de montagne ou de creusement, enfin de truc. On va simplement accidenter le terrain. On va faire un truc assez simple. Et ce sera une forêt, quoi. Et ce sera une forêt. Un semblant de bah, la suite de celle-là, quoi. C'est globalement ce qu'on avait fait d'ailleurs sur cet enclos, il me semble. Quand on l'avait fait pour les loups gris. C'est surprenant parce que les loups gris. J'avais pas fait un. J'avais fait un truc sympa pour le loup gris. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il faut une grotte. Il faut une grotte. Comment je la mets, la grotte? La grotte, je vais peut-être la mettre. J'allais dire prolonger là. Ça peut le faire, ça. Ça peut le faire. J'enterre la route. J'enterre la clôture. Je mets la grotte. Ils dorment là et du coup les visiteurs verront l'intérieur de la grotte. Non, c'est pas assez rapide. Salut Tarconi. Je vais partir sur ça, je pense. Ouais, ça, on va faire ça. Il nous a quand même fait aller sur un live YouTube pour qu'on lui dise coucou, c'est vrai. Et on l'a fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça, je vais le décaler pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ventilo, ça peut rester là, c'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Bon, ok. Je commence à. J'ai une inspiration qui est en train d'arriver. J'ai une inspiration qui est en train d'arriver. C'est une inspiration qu'on a déjà vue, hein. C'est pas bien. C'est pas bien ça. Je vais les faire monter sur le bord là et je bloquerai ici avec avec enfin voilà. Avec de la terraformation, pardon, je cherchais le mot. Il faut bloquer au bon endroit pour éviter. Pour l'instant, je vais faire ça. Je pense qu'il ne devrait pas fuir et je pense qu'on est. Ouais, on est bien. Ok. Je m'occuperai de ça, de ce bout-là, plus tard. C'est pas l'enclos. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Et du coup, là, je vais simplement creuser, histoire qu'il puisse se mettre à l'abri. Jusqu'au mur. Histoire que bah, on puisse les voir dormir. Et là, on peut mettre tout de suite. Ah, j'ai pas la porte. Donc on verra après. Enfin, je peux le faire en vrai. Non, mais on verra après. On verra après. Au moins, l'enclos est pas complètement plat, quoi.
Planet Zoo, c'est fait par les mêmes développeurs que Planet Coaster. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Terrain. Est-ce que je peux accidenter ? Je pense qu'on va pas aller, on va pas pousser plus hein. Je pense qu'on va pas pousser plus en termes de terraformation. On va plus se concentrer sur faire une forêt. Qui vont pas. Ouais, ils passeront de toute façon. C'est un peu trop. Rond. Ouais. Après, la forêt, est-ce que je la fais très dense ? Ah oui, d'accord, j'étais en train de me dire, c'est bizarre pourquoi il y a... Est-ce que non seulement en bas, il y a ça ? Oh, quoique, c'est pas ça qui gêne. Mais surtout qu'il y a l'eau, donc je peux pas remplir ici. C'est pas très grave. Ça, c'est de la, déjà de la roche. Alors, il nous faut du froid. Est-ce qu'il y a du courant ici? Il n'y a pas de courant. Est-ce que c'est normal? Oui. Électricité. À quel point c'est normal? Service. Je vais mettre un transformateur pour l'instant ici. On verra après. Forcément, ça va pas plaire, mais c'est pas gênant. Pour l'instant, il n'y a personne de toute façon. Je vais mettre un play. Je vais mettre de la neige tout de suite. De toute façon, on sait que... On sait qu'il y avait certains endroits où c'était clairement pas assez. Donc, je vais mettre tout de suite. Tac. Tac. Oh, je mets. Je mets. Ça, c'est déjà froid, là ? Bon, Je vais quand même mettre... Là, je vais le rentrer dans le sol. Parce que j'ai pas envie d'y retoucher à ça. Je veux juste que ce soit enneigé. Comme ça. Je vais en remettre un ici aussi. Et je vais en mettre un là-bas dans le fond. Au cas où. Normalement, ça devrait être de la neige partout. Terrain, neige. C'est déjà globalement de la neige partout. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Le froid. Comment on fait pour mettre de la neige? Bah il faut baisser la température et mettre de la neige. Voilà. Comme là par exemple. Salut Bebe. Je vais très bien, j'espère que tu vas bien. Alors. La neige est arrivée. La neige est arrivée. On va mettre des arbres. On va amener les loups aussi. Il faudrait peut-être que j'amène les loups. Ouais, faut que j'amène les loups. Clôture. Porte. Je vais mettre la porte là, je pense. Pour l'instant. Elle finira peut-être de ce côté-là si je mets un truc d'employé là. Mais pour l'instant, jamais là. Et je vais acheter du coup une paire de loups. Ça va bien, je te remercie, va parfait. Alors, le loup arctique, que nous disent-ils?
Le loup arctique, Canis lupus arctos, est une grande espèce de canidé qui vit dans le nord du Canada et au Groenland, également appelé loup blanc. C'est un prédateur chassant en grande meute et se nourrissant principalement de bœufs musqués et de lièvres arctiques. Bien qu'il lui arrive également de manger des renards. Quoi ? Des oiseaux, des oursons ? Et occasionnellement des charognes. Ah bon ? Oh, carrément, quoi. Le loup arctique est le plus souvent blanc, même si certains individus ont un pelage gris clair ou doré. Il est plus grand et plus trapu que les autres sous-espèces de loup, pesant entre 32 et 80 kg et mesurant entre 1 m et 1 m 80 de long. L'espèce n'est pas en danger, son environnement naturel est si rude qu'il ne subit pas l'impact du développement humain, comme l'urbanisation ou l'utilisation des sols pour l'agriculture. Toutefois, il est victime du réchauffement climatique. Le dérèglement des étés et des hivers affecte la reproduction des lièvres et des bœufs musqués qu'il chasse, ce qui peut entraîner une réduction de sa population. Incroyable. D'ailleurs, c'est le renard arctique. Je sais pas si c'est renard arctique, mais le renard blanc, renard des neiges, qui est dans le même cas que lui, je crois. Parce qu'il vit dans le froid, du coup il subit pas l'impact de l'homme en direct. Mais vu que réchauffement climatique, il se retrouve en face à face, on va dire, avec des renards roux. Et du coup, le renard roux mange les proies du renard blanc, je crois. Au Canada, là où je suis. C'est vrai ? Après. Le loup est un animal très sociable qui vit en meute familiale. Une meute moyenne compte un mâle alpha et une femelle alpha. Leur jeune loup est une portée de louveteau de moins d'un an. La meute étant très soudée, les loups souffrent en cas de séparation ou à la mort de l'un de l'un. Je sais pas s'ils vont être heureux chez moi. Dans une meute, seul le mâle et la femelle alpha ont des petits. Les adultes sont monogames et partenaires pour la vie. C'est bien ça, prenez exemple. Les louveteaux restent avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils soient matures sexuellement ou jusqu'à ce que la compétition pour la nourriture soit trop importante. Dans ce cas, les jeunes quittent la meute pour devenir des loups solitaires. Chacun cherche alors un loup solitaire du sexe opposé pour établir un territoire. Si un loup solitaire trouve une partenaire, ils s'accouplent à la saison des amours, ont une portée par an et restent ensemble toute leur vie. C'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Quelle belle histoire. Relation avec les humains, confiant. L'humain peut-il rentrer dans l'habitat ? Non. Pourtant, il est confiant. Donc, on devrait... on va prendre juste un couple. On va prendre juste un couple, on va pas s'embêter. En espérant qu'il y en ait, d'ailleurs. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Alors, Arctic Wolf, filtre. J'ai pas de femelle. Merde, ça c'est chiant. Y'a pas de femelle. Combien de temps tu vis ? 15 ans ! Oh, t'es déjà à la moitié de ta vie, quoi. Après, j'ai diminué aussi la vitesse de vieillissement. Je vais prendre lui. Meilleure fertilité. Pas l'attrait le plus élevé, mais... Allez, je pars sur lui. Transfert. Tac. Et d'ailleurs, il faut que je rajoute... Il n'y a que des mâles, ouais, malheureusement. Non, c'est là. Zone de travail. Arctique. Ici, je ferai... Je ferai une nouvelle zone. Je veux pas que toute cette zone-là soit gérée juste par ce qu'il y a là, quoi. Sinon, je vais me retrouver avec le même problème que la zone Asie et ça va être un problème. Justement. Montagne arctique entretien. Tac. On ajoute également. Ceci. Parfait. C'est pour ça qu'ils sont en voie de disparition. Il fait confiance à l'humain, pas rentrer sur son territoire. Non mais je rigolais. Bon, du coup, play, on va attendre que notre loup arrive. On va attendre que notre loup arrive pour pouvoir lui mettre une forêt extraordinaire. Comment ça se fait que j'ai un tigre ici, là ? Je suis censé le vendre ? Peut-être.
peut-être censé le vendre. Je verrai ça plus tard. Allez. Il y a quelqu'un qui vient me chercher le loup, là, s'il vous plaît. Hein? Avant qu'il fasse nuit? Ça m'arrangerait? Non? Parfait! Très très bien! Une femelle. Bon, ça lag, hein. Livraison programmée, oui, mais c'est bien. Pause. Eh, je t'ai demandé pause depuis 10 minutes. Zo. Du coup, on a normalement... se dirige vers le centre d'échange. Ah, t'es parti me le chercher, mon loup. Vu d'une poubelle. Ouais. Alors, Georges, viens là. Tiens. Merci, mon Georges. Le loup arctique. Je te ramène, t'inquiète pas. Occidental entretien. Ne gère pas les toilettes de cette zone alors que c'est pas chez toi. Je te remets ici. Hey! Bon, on va gérer pour l'instant qu'avec celui-là. La femelle, on verra après. Fais voir un petit peu. Ah, t'es dans l'ombre. Quel dommage. Ouh, il a pas l'air gentil. Hein. Ton rack. Assieds-toi bien. Tu peux perdre. Généralement, quand ça se met à courir dans la foulée, c'est point de fuite. Hein. Donc, point de fuite. Évidemment. Alors, où est-ce que tu fuis? Un peu partout, j'ai envie de dire. Donc déjà, ici, je vais augmenter le terrain pour m'assurer que tu ne fuis plus. Pour l'instant, encore une fois, je verrai ça après. C'est pas le plus important. J'ai même jusqu'à dire qu'on s'en fout. Ok. Alors ici, ça fuit dans tous les coins. Pourquoi? Pas parce que ça, normalement, c'est censé être au... au milieu. Sauf que ça s'est retrouvé là des suites d'un souci. Hein. Donc je vais simplement le décaler. Comme ça pour l'instant. Et toi je vais te décaler aussi. Je vais te mettre là. Toi je te décale. Je te mets ici. Fais voir un petit peu, mon grand. Bon. Il y a ce grand point de fuite ici. Il y en a un petit là. Et il y en a là, mais là, c'est parce que... le mur est dans l'eau, quoi. C'est parce que le mur est dans l'eau. Donc, qu'est-ce que tu veux en termes de rocher? C'est taïga et toundra. Nature. Qu'est-ce que j'ai mis en rocher, moi? C'est cela. Je vais t'en mettre un gros, là. Histoire d'être sûr que tu ne fuis pas. Parfait. Et je vais mettre quelques rochers dans l'eau ici. Normalement, tu ne devrais pas passer dessus. Je pense pas que tu passes. Et il y avait ici aussi. Non, c'est pas ce que je vais faire. Merci beaucoup, Maui. Bienvenue à toi.
Ça te fait combien d'heures de jeu sur Planet Zoo? 178 années. Après, j'ai laissé beaucoup tourner le jeu, hein, donc c'est pas vraiment un temps. Enfin, ça correspond pas vraiment à mon temps de jeu, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'heures. Je pourrais plus te dire exactement parce que ça fait longtemps que j'ai regardé, mais. Mais j'ai beaucoup d'heures. C'est pas les mêmes là, si? Il m'a l'air plus clair celui-là. Ah ouais, ouais. Je me disais aussi. Je me disais. C'était pas là, hein. Je sais, c'est à côté. Non, c'est un peu grand. Normalement, ça doit être bon. T'es où? Ah, t'as été TP tout seul, ok. Alors, fais voir. Parfait, plus de points de fuite. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Et en plus, il peut bel et bien monter tranquillement là-haut. Donc potentiellement se poser là-haut. Alors, fais voir un petit peu l'environnement, du coup, Amérique du Nord. On va te poser un petit peu de plantes, mon grand. Continent. Amérique du Nord. Aussi stupide que cela puisse paraître, je viens d'acheter le jeu et je ne comprends pas le système de caméra. Comment on fait pour avoir le mode de vue de haut? De haut? Comme ça? C'est avec la souris. Enfin, moi, je reste appuyé sur la roulette et... Oula, bon, là, ça ne marche pas parce que ça lag un peu, moi, mais... Quand tu restes appuyé sur la roulette, tu peux regarder comme ça. Je sais pas si c'est de ça que tu parles, mais... Mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix pour faire une forêt. Ah, c'est du sapin, quoi. C'est du sapin, du cyprès, pourtant si loin... Encore l'épinette de Noël. Ah ok, merci, il me disait la roulette, mais ça zoome. Ouais, ouais, mais faut appuyer dessus, ouais, c'est un clic. C'est un clic sur la roulette, tu restes... Tu cliques dessus, tu restes dessus. Et ça marche. Alors, de toute façon, il faut continuer. J'ai presque envie de prendre... C'est quoi, ça? Mélèze. Ah, c'est Europe. Tristesse. Tristesse. Sinon j'aurais pris la forêt de là, j'aurais fait un copier-coller quoi. Ça aurait été très bien. Du coup là on n'a pas d'arbre un peu orange. Donc on va falloir se contenter de vert et jaune. Donc on est parti, on pose une forêt. On pose une forêt, sachant que je veux pas que la forêt soit dense sur le bord de l'eau. Voilà, c'est juste juste ma condition quoi. Au niveau de l'épinette, je pense qu'on est pas mal. Elle est où la femelle? Pas encore arrivée. Elle est pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée. Ok. Il peut plier. Ah, c'est... voilà, quoi. Hein. Ils ont pris le vent, hein. Ils ont pris le vent, hein. Je suis pas fan, moi. Manque un peu de feuilles, hein. Ah, il manque un peu de feuilles. Hein. Pour l'instant, on va faire ça.
Je regarde un petit peu. J'en pose un de chaque à peu près pour voir ce qu'on a, mais... De toute façon, j'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour de tout ce qu'on a en arbre. On n'a pas un gros sapin, quoi. Ah oui, oui. Ah, ce sera peut-être pas une forêt dense, hein. Ce sera sûrement pas une forêt dense, d'ailleurs. Ce sera pas une forêt dense du tout, d'ailleurs. Parce que compliqué, quoi. Pourtant, c'est que quand on est dedans en tant que loup, on se sent en forêt, quoi. Après, vu du dessus... C'est autre chose. On aura un problème de fenêtre ici, mais bon, je vais tout faire après. C'est un peu moins touffu de ce côté-là. Est-ce que c'est vraiment gênant? Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas du tout même. Pas beaucoup de choix hein, quand même. Salut Lord Scenery. Ça passe, hein, ça passe. Hein. De toute façon... Ça va, en vrai, ça va. Ça va. C'est pas choquant. C'est choquant quand tu vois la terre derrière. Mais c'est pas choquant en lui-même, quoi. Si tu regardes d'ici... Sachant que j'ai pas mis ce qu'il y a à mettre au sol encore. Si tu regardes d'ici... Si tu regardes là, ça passe. Hein. Ça fait même ultra propre, quoi. Et là-bas, c'est un peu moins dense. Pourquoi pas? Non, si, c'est bien, ça. J'aime bien l'enclos. Honnêtement, ouais, ça va. Je suis pas mécontent. Bon, du coup, on va installer des cailloux. Des cailloux, avant de pouvoir mettre nos orties et autres. Et on va mettre des cailloux... Ah, du coup, c'est... Non, c'est pas Toundaiga, c'est Toundra. On va mettre des cailloux de Toundra pour pouvoir mettre aussi de la neige. Des cailloux enneigés. Des cailloux enneigés. Alors. Non. Je suis perdu dans mes touches. Attendez. Comment ça se fait avec la caméra hein? Ouais. Alors. Ici. Je vais faire ça pour l'instant. Ça c'est dans le sol là. Ouais, juste un peu, ça passe. On va faire ça pour l'instant. Je vais mettre un petit peu de cailloux enneigés par terre, au pied de certains arbres, parce que j'aimais bien l'idée.
J'aimais bien l'idée. Ça fait un petit peu... Voilà, il y a eu du vent. C'est tombé, quoi. Oh, mais c'est tellement agréable le bruit quand tu le poses. Je sais pas si vous entendez bien, mais... Écoutez. Impression de marcher dessus. C'est agréable en effet. Ça, mais c'est vrai. Hein. J'ai pas eu de neige chez moi cette année. J'ai pas eu le plaisir de marcher dedans. Je compense. Je compense. Ouais, je sais pas. Non. Peut-être plus... ici. Ouais, pourquoi pas. Vous avez eu de la neige, vous, cette année? Le même son que quand tu marches dans la neige, exactement. Exactement. C'est vrai que moi, j'en ai pas eu. C'est triste, quoi. Ça faisait plusieurs années que... Enfin, pas l'hiver. L'hiver est fini. Il y en a déjà eu en avril, mais... C'est pas parti pour, quoi. Non, rien eu. En région parisienne, nada. J'en ai pas eu. Pas le moins de millimètres. Salut Tarconi, merci beaucoup, bon après-midi à toi. Oh, j'ai bugué. Non, pas de neige. Ah, personne n'en a eu, quoi. Enfin, hormis dans les montagnes, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de... vagues de neige en Europe pendant l'hiver. Hein. D'habitude, on voit... Tous les ans, d'habitude, on voit des images en Autriche et autres. Ils ont une quantité de neige astronomique. C'est vrai que cette année, on n'a rien vu, quoi. On n'a rien vu du tout. Au Canada, si. Oui, bon, ça va aussi, Canada, ras-le-bol, hein. En même temps, vous en auriez pas, ce serait très inquiétant. Hein. Vous en auriez pas, ce serait extrêmement inquiétant, même. Pour le coup, vu votre position géographique, je tente quelque chose. Hein. Je sais pas ce que je fais. C'est pas beau, ça. J'ai eu 2 cm un coup, fin, une matinée. Enfin, je sais pas vous, mais dans l'Est, en ce moment, il fait 0 le matin. Ouais, il fait froid aussi en ce moment, mais... Mais bon, il fait beau. Oh, on va pas se plaindre. C'est vrai qu'un peu de neige. Pourquoi? Pourquoi il y a ça à cet endroit-là? C'est une excellente question, mais bah, ça restera. Ça restera. C'est triste, quoi. Faut que j'aille à la montagne. En vrai. J'ai jamais fait de ski de ma vie, faut que j'aille en faire. J'y vais. J'arrête le live. Il y en a eu beaucoup moins à cause du réchauffement. Vous en avez eu beaucoup moins, quand même? Pourtant, je suis un petit peu, moi, depuis que je suis allé au Québec, je suis... tous les hivers, les hivers canadiens, quoi. Et j'ai cru voir qu'il y en avait quand même pas mal. En tout cas, dans les endroits où je suis allé, quoi.
Mais bon, après, ça fait pas non plus longtemps que je suis, hein, donc... Après le confinement, non, non, là j'y vais. Bah écoute, on est pas mal. En plus, il y a des loups, hein, il est pareil sur les pistes. Faut y aller, quoi. J'ai envie de voir un loup. Quoi. Bon, là, ici, on va mettre un truc. Je sais pas ce qu'on va mettre, mais on va faire un truc. On va faire un truc. Il est où le grand rectangle là? C'est pas vraiment un rectangle, hein. Le rectangle à 6 côtés, quoi. Ah, est-ce que ce serait pas une idée, ça? Petit éboulement de chute de neige à l'entrée de... Ouais, 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 j'aime bien. Parce que je vais savoir le faire, probablement pas, mais j'aime bien. C'est calme, c'est incroyable, quoi. Je sais pas ce que ça donne sur la rediffusion YouTube, mais oh, c'est posé quoi. On est bien là. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live ou même une vidéo où on est juste posé. C'est le même que je viens de poser. Bon, je vais remettre le même. Hein. Et on profite un peu tranquillement quoi. J'ai la musique en tête en plus. Ah là c'est... Ouais, si, ça peut avoir glissé, hein, pourquoi pas. Ça peut avoir glissé ici. Ici. Oh les sapins, qui c'est qui a mis ce sapin là? Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop, hein. C'est vrai qu'après, il y a tous les effets, voilà, la neige qui tombe et autres, mais c'est vrai que... C'est quelque chose que je pense pas utiliser, quoi. C'est des choses que je pense pas utiliser. Est-ce que poser un peu comme ça, c'est géant? Bah non. Non, ça passe, ça. Ça passe, ça passe. Un petit jeu font tirer lance en rapport avec Planet Zoo, je sens le DLC venir. Planet Zoo Game. Faudrait que j'aille voir ça après, merci beaucoup pour l'info. Tropical Jungle, pas mal. Ah, si c'est ça, effectivement. Dommage qu'il n'y ait pas de stalactite. Ouais, après, je prends pas le temps de poser des lianes. Alors, je sais que je prendrai pas le temps de poser des stalactites. Mais oui, sinon, pour ceux qui prennent le temps, clairement. Clairement, ce serait énorme. Petit peu de neige, là. Petit peu de neige. Non, pas ça. Non plus. Où est-ce qu'il est? Ouais. Pour les rochers, on va dire que ça va. Pour les rochers, on va dire que ça va. Bon, en vrai, il est c'est correct. Hein. De toute façon... Les enclos dans la neige, enfin la neige on va dire, le paysage enneigé, ah oh non, paysage enneigé, c'est quand même rarement rempli de vie, hein. Donc comme c'est vrai que je mets pas de structure humaine dans mes enclos, bah du coup, on est obligé de faire avec ça, quoi. Il y a des orties? Il y a des orties dans la neige, non? En Amérique du Nord, il y a des orties. Oh, il n'y a pas d'orties? Merde. Oh non! Ah oh, les fougères!
C'est bien les orties, pourquoi ils mettent pas d'orties partout? Oh, les passions orties, ah mais tellement. Dans le jeu, c'est trop bien. En vrai, pas spécialement, hein. je vais pas te le cacher, en vrai, j'en ai un peu, je m'en fous un petit peu les orties. Mais dans le jeu, c'est la seule plante, je trouve, qui a vraiment le côté naturel, quoi. Je l'ai déjà dit, hein, mais... En vrai, c'est sympa aussi. Hein, c'est vrai. C'est joli, tu te dis, tiens. Qui ne s'est pas fait avoir étant petit sans connaître ce que c'était. Oh, c'est... oh, qu'est-ce que c'est, une jolie plante. Hop. Ah, ça picote. Bah oui, 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 oui. Elle t'a eu. Elle t'a eu, la plante. Quand je me marierai plus tard, ma femme aura un bouquet d'orties. Ça va être marrant, ça. Balancer dans la foule derrière. Attrapez le bouquet. Ce serait drôle, hein. C'est quoi ça, des 4 temps? Ah, oh. Salut Zizou. T'es le vrai? Je sais pas si je peux... Est-ce que ce serait pas un peu vide? Enfin vide, surprenant, seul là. Oh. Faudrait un truc autour, quoi. C'est pour ça que je le mets au pied des rochers. Parce que c'est vrai que sinon c'est bah c'est un peu voilà c'est bon c'est tout seul là quoi. Ou alors je mets ça quoi. Non c'est pas beau. Le week-end de Rennes il est pas beau. Ouais c'est choquant parce qu'on a l'œil dessus mais plus tard je pense que c'est rien quoi. La violence, un bouquet d'orties. Tous les copains des filles à marier remercieront le bouquet d'orties. Ah, c'est vrai que le fait que j'ai pas mes orties, je sais pas quoi mettre. Hein. J'ai une dépendance. Hein. Je sais pas si je peux me faire aider, mais... J'ai l'impression que j'ai quand même une dépendance. Hein. Un enclos ne peut pas être beau sans orties. Est-ce que je suis vraiment parti sur toute la longueur? Oh, ça va être long aussi. Mais en vrai, c'est pas si mal. Hein. Peut-être pas sur toute la longueur, quoi. À certains endroits. Ouais. Le problème des autres plantes, c'est pour ça que j'aime bien les orties, parce que le problème des autres plantes, c'est que ça fait pas... T'as l'impression que ça a été taillé, quoi. C'est trop parfait, trop propre, trop... Ou trop petit. J'ai pas un arbre qui pourrait... Bah non, j'ai que des sapins, quoi. Oh, bah je l'avais pas vu celui-là. Amérique du Nord, taïga, désert, hein, ouais, c'est pas vraiment le même coin, quoi. C'est taïga, mais taïga où il fait chaud, quoi. Ouais, d'accord. C'est trop petit. Je vais mettre ça, quand même. Je vais mettre ça, là.
J'en mets plein. Je mets ça. Je mets ça, je mets ça. Je vais mettre... Je vais mettre ça ici. Pas sûr que ce soit particulièrement convaincant. Mais j'ai envie de dire que c'est simple, mais c'est efficace, quoi. On a ce que je cherche. C'est-à-dire un semblant de forêt. Je vais me remettre d'ici pour voir. Après, on va regarder d'un peu partout. Ouais, avec les cailloux devant. Ouais, si, ça va. Ça va. C'est pas l'enclos ultime. Mais c'est pas dégueu, quoi. C'est vide là. Je vais peut-être y mettre plus tard. Non, si ça passe. Ah, attends, peut-être que ce que je vais faire c'est déjà installer les fenêtres. Installer des fenêtres pour l'observation sur toute la longueur. Que je suis du bon côté. Parfait. Ce qui fait que là, tu pourras aller voir dormir. Oh si, c'est sympa. Il y a quelques bugs avec l'effet de neige, quoi, mais... Mais c'est sympa. Ah, bon, je suis rentré dedans. Si, ça va, j'aime bien. J'aime bien. Il manque un arbre. Peut-être, ouais. On pourrait peut-être mettre simplement un arbre. Simplement un arbre. Celui-là. Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, alors du coup, fais voir un petit peu qu'est-ce que tu veux en termes de... optimisation. Il n'y en a aucune. Donc ça, c'est très bien. Je vais te mettre ça. T'as déjà des points de nourriture, normalement. Oui, t'en as un. Oh, mince. T'en as un. Ok. Alors, clôture. Habitat. Optimisation. Loup arctique. Optimisation alimentaire. Je vais te mettre un zèbre. Parce que bon, c'est pas souvent que t'en as croisé. Et, c'est sympa quoi du coup. Pouvoir manger un zèbre. Je te le mets là. Non, je vais te le mettre dans la forêt. Je te le mets là. Zzz. Je te mets ça. Je vais te le mettre ici. Je vais pas les mettre trop loin, histoire que... histoire qu'il soit au niveau des gens, quoi. Ok. Moi, bon, je pense qu'avec deux, on est déjà bien. Et je vais te mettre un peu de joujou. Un sac à viande. Que je peux te poser. Par ici. Et puis, je vais vous mettre un carton. Un carton là. Et je vais vous mettre un truc à renifler ici là.
J'en mets même un autre ici. Ça, si jamais vous pouvez être là-haut, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Ça me semble correct. Ça me semble correct. Je vais installer... comment ça s'appelle ? Tout ce qui est banc, tabouret et autres. Thème. Arctique. Les gens vont se plaindre de l'électricité ici, mais c'est pas grave. Je gérerai après. Je vais mettre des poubelles. Comme ça. Et des panneaux d'information. Alors... Ça me paraît peu probable qu'ils viennent jusque là pour l'instant. Mais ce sera déjà mis pour après. Comme ça. Oula. Ah, je suis passé en dessous. Ici, en vrai, il n'y a pas besoin de ça. Ça... C'est pas nécessaire. Service, pardon, je cherchais. Ok. On va mettre... Ça juste à côté. Je vais en mettre un là sur le côté. Bon, sachant qu'à mon avis il va bouger parce que je vais probablement avoir la route qui partira. En coque, peut-être tourne ici. Vers l'ours polaire. Je vais en mettre un autre là. Et un autre ici. Ok, alors que subissent les loups? Les loups, réchauffement climatique. Ils subissent aussi... Alors le partage des terres, non. Braconnage. Ah, je vais mettre un peu de braconnage. La réparation de la couche d'ozone, pourquoi pas. Pas vraiment... Correspond pas vraiment, mais c'est pas le truc que je mets le plus, donc... Je suis repassé en dessous. Ah tiens. Il y a un trou. Et là je vais mettre le réchauffement climatique tout de suite à l'entrée. Ensuite ici on a loup arctique. Loup arctique. Je me plante de touche. Tiens, comment ça se fait que t'es en l'air toi? Toi, tu m'as surpris. Alors, toi, tu viens... Mais pourquoi tout est en l'air? Pourquoi t'es en l'air aussi, toi? Alors, Ok. Surprise. Surprise, surprise. Loup arctique et... Loup arctique. Ici, on a du coup loup arctique également. Et pas loup gris. Parfait. Et on va mettre nos systèmes haut-parleurs pédagogiques. Il est où ? Je vais le mettre contre le mur ici. Il va falloir que je décale.
Comme ça. Il va falloir que je fasse des recherches aussi. Hein. Sur le loup. Je vais lancer tout de suite les recherches parce que je vais pas y penser sinon. Recherche vétérinaire. Loup arctique. Ici. Célia va m'observer les loups. Va m'observer les loups. Je vais poser là. Ah bon, si peu. Quoi, mais pourquoi tout est si haut? C'est incroyable, quoi. On sait que... On sait que ça se met pas au niveau habituel, j'ai envie de dire. Ah, du coup, je comprends mieux pourquoi j'étais... J'avais une boucle aussi petite, on va dire. Ok, je vais le dupliquer et l'amener là. Tu te poses sur ça, hein. Ouais, fais pas le coup. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon bah je vais mettre un petit. Je vais faire une sauvegarde, mettre un petit play et on va voir. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors qu'est-ce que vous me dites? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé sur le chat. Salut Roy, tu streams encore combien de temps? Je sais pas trop encore pour l'instant. Un petit play et voyons ce qui se passe dans cet enclos. Je vais appeler tout de suite. Non, pas un mécanicien, on s'en fout. Un soigneur. D'ailleurs, loup arctique. Et ici, reine. Parfait, parfait, parfait. Play. Ah, j'ai pas mis mes dons. Ah, j'ai pas mis les dons. Et la cascade. Ouais, ouais, attends, attends, attends. Pour l'instant, on a fait les enclos. Le reste, c'est de la déco, on va dire. La cascade, je vais la mettre. Mais comme là, par exemple, tu vois, j'ai mis les cailloux gelés. Je les ai pas mis de ce côté-là. Je les mettrai. Je les mettrai. Mais, pour l'instant, je veux juste voir ce que ça donne. Alors, des sous. Tac. 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 Et tac. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Sauvegarde. Play, 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 play. Ok, play. Bon, du coup, on a fait cette zone-là, ça c'est bien. Il nous reste l'ours polaire à installer. Et on aura fini cette montagne. Enfin, fini en tout cas les enclos de cette montagne, quoi. Le temps qu'on n'a pas plus d'espèces. Le jour où on aura des pingouins et autres, on pourra toujours les installer là. Mais pour l'instant, on en a pas plus, quoi. Il y a des gens qui viennent ou... Je vais m'approcher ici, attendez. Pour pouvoir bien distinguer s'il y a des gens. Parce que j'ai cru voir des gens descendre, mais est-ce que c'est employé? C'est employé. Et on va laisser tourner pour voir. Il va falloir que j'embauche clairement un nouvel employé. Je vais embaucher un nouvel employé. Je vais le faire tout de suite parce que... Je vais pas avoir assez de soigneurs, c'est sûr. Et toi, tu vas travailler dans la zone arctique, ici. Arctique. Parfait, 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 parfait.
Animal laissé trop longtemps dans une caisse. Waouh, incroyable, il y a le feu là-bas ou quoi? Flamant rose à fin. Ouais, bah alors ça, c'est incroyable comment... Ça lag tellement! L'animal a mangé de la nourriture. Bah oui, bah tant mieux. Réservé aux visiteurs. Quoi? Mais quoi? Et comment t'as fait, jeune bison? Y'a quelqu'un qui a nourri mon bison? Qui c'est qui a balancé de la nourriture, là? Vous aviez déjà eu ça? L'animal a mangé de la nourriture réservée aux visiteurs. J'avais jamais eu. C'est incroyable, ouais. Il a mangé les chips. Ah bah bravo. Faut mettre des panneaux car les gens envoient de la bouffe dans les enclos. Mais j'avais jamais eu ce problème. Donc Ok, non mais très bien. C'est la première fois que j'ai cette information là. Bon, effectivement, j'ai jamais mis de panneau ne pas nourrir, mais intéressant. Ça rend vraiment bien, on dirait un seul enclos vu du ciel. Bah c'est le but, donc merci beaucoup. C'est clairement le but. Après bon, pour l'instant c'est dégueu. Hein. Là c'est moche. Y a pas vraiment de cascade, la rivière n'est pas finie. C'est moche, c'est sûr. J'ai pas mis play. Si j'ai mis play. Mais ça prend forme. Oui, les gens jettent des hamburgers et autres cochonneries dans les enclos. Les gens sont cons, ouais, complètement. Nia, complètement. C'est incroyable, quoi. Ça manque d'éclairage, ouais. Tout ça, bon, je suis sur une nouvelle zone, hein, donc je m'en suis pas encore occupé. Ouais, 5800 personnes, hein, on est remonté. C'est un coup des Américains, ça. Forcément. C'est un bison, forcément. Ma fille dit, mais monsieur, c'est pas moche du tout. Monsieur, ah, t'as coup de vieux là. Ah, ah. Non, en tout cas, merci beaucoup. Chloé, c'est ça? Si ma mémoire est bonne. Merci beaucoup. J'attends qu'il fasse jour. Dèche, c'est pas bon pour les humains. Comment les gens peuvent se dire que ça va être bon pour les animaux? Ouais. Que veux-tu? Ah ah! A rejoint un groupe. J'attends qu'il fasse soleil. Ah, attends, peut-être que de nuit c'est beau aussi, hein, les loups. Fais voir un peu. Où êtes-vous? Oh, bah, trop bien, il y en a un là! Attends, j'éteins la lumière. Excuse-moi. Ah, pas, du coup, on ne voit pas. Je rallume la lumière. À chaque fois, je mets pause quand il est en train de grogner. T'es où, mes mères? Ou pépère, d'ailleurs, j'ai pas vu qui c'était en haut. Allez, si on cherche après le loup, c'est que la forêt est assez dense. Hein. Après, si on cherche après, c'est que les gens vont chercher après aussi, et c'est peut-être pas la meilleure nouvelle. Il est où? T'es dans la partie de coucher? Ah ouais. Allez, posez. Waouh, ça fait un peu peur. Hein. Très bien. Monsieur le Viking. Tu as fait sa soirée, c'était bien Chloé. Ah ouais, j'ai de la mémoire quand même. Attention, il va te tomber dessus. Bon alors du coup, on attend le soleil. Et après on voit. Pour l'instant, il n'y a pas de gens. Hein. Les gens préfèrent aller voir les mouflons plutôt que de voir les loups et les rennes. Est-ce que c'est vraiment logique? Je ne sais pas. Mais... Pour l'instant, les gens ne viennent pas. Hein. Les gens, là. Ils tournent là-bas pour aller là-bas. On a des employés, quoi.
Fais voir un peu. Oula! Oula, c'était pas volontaire. C'était pas volontaire, je suis passé sous terre. Peut-être une idée de DLC, des tops. Pourquoi pas. Fais voir un petit peu. Attends, T. Pour bloquer la caméra. Si t'es là, est-ce que tu vois les loups? Non, vous les voyez pas, mais tu t'es caché derrière le rocher. Parce que tu les sens. Tu sens leur présence, évidemment. Ah bah non, toi t'as pas peur. Hein. C'est là où il faudrait un loup en face, là. Qui se disent... Tiens, j'ai envie de chasser. Bah non, tu ne peux pas. Sécurité! Sécurité. On est bel et bien dans deux enclos. Ah, par contre, ça, c'est pas... Un peu moins volant, quoi. Un peu moins volant. Bon, quand tu auras des gens, ce sera joli. Ça rendra pas mal. Je suis... Oh, ça bug tellement. Je peux plus jouer au jeu. Je peux plus jouer au jeu. Mon zoo est trop grand. Mon zoo est trop grand. On est caché dans les sapins. J'ai plus le droit de bouger. Pourquoi il y a un pont là? Ah oui, c'est le pont qui retourne. Ouais. Oh, je peux pas jouer. Je peux pas jouer. Bon, on arrive à fin d'année. Ça va nous permettre de voir si malgré l'investissement dans un enclos, on perd de l'argent. Ou non. Et on monte à 6000 bientôt personnes. Hein. 1er janvier. Posez. 9008 malgré le fait qu'on ait dépensé 14000 encore. Mais c'est très bien, hein. Au niveau nourriture animaux, on a dépensé moins. On a dépensé moins que l'année d'avant, alors qu'on a deux enclos de plus, donc ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Quoi. Pas forcément les meilleures nouvelles. Quoi. Et au niveau revenu, on a gagné moins en boutique, on a gagné moins en vente de billets, un tout petit peu plus en dons. Bon, je sais pas d'où sortent ces 9000, mais ouais, j'étais à moins 4000 en trésorerie. Ouais. Et moins 8000 ici. J'ai rééquilibré un peu, quoi. Il va falloir que les gens avancent ici, quoi. Faut que j'amène un groupe. Je vais amener de force un groupe. Kidnapping de... Ah, vous êtes nombreux. On kidnappe une famille. Cherche une poubelle. Mais t'inquiète pas, je t'amène à côté d'une poubelle. Tiens. Il y a une poubelle juste ici. Se fait porter. Statue. Tu vois, en plus, tu veux les voir. Enfin non, ça c'est pas un renne, c'est une antilope. Tu veux voir le loup. Et t'es pas loin du coup. Et après tu fais passer le mot. Tiens, on a vu deux nouveaux enclos là-bas. En vrai c'était joli hein. C'est acheté dans la poubelle, c'est déjà bien. Jette un coup là. Non. Tu pars là ou tu tournes? Ah, ils sont partis voir les loups. Oui? Si, ils sont partis voir les loups. C'est bon, ils sont partis. Ils sont partis. Salut Alpha! Ah, ils sont... Oh, waouh, mais vous êtes trop bien là, en vrai. Vous êtes seul, hein. C'est une famille privilégiée, la famille, là. Regarde ça! La vue qu'ils ont! Par contre, c'est éteinté? Ouais. Incroyable quoi. La vue du petit devant là. Rena. Oh. C'était pas le petit de devant. C'est qui lui là? Petit. Laisse-moi te cliquer dessus s'il te plaît. Milton. Non, mais il est trop bien là. Hein. Cette vue incroyable. Il a vu sur deux rennes. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, sur ce, YouTube, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait, du coup, l'enclos loup arctique. Prochaine vidéo, on se lancera sur l'enclos ours polaire. Et entre deux, je verrai si je joue de mon côté ou pas. Pour faire rentrer un peu l'argent, pour être sûr que, bon, je suis pas en déficit. Et puis peut-être pour aussi construire des trucs, là.
Parce que le problème, c'est que là, bah, si je construis là tout de suite des magasins et autres, tant qu'il n'y a personne qui vient là naturellement. Ah, même si là, il y a un groupe qui arrive. Hein. Ils sont partis aux toilettes. Tant qu'il n'y a personne qui vient naturellement ici, investir dans des magasins n'est pas forcément la meilleure idée, quoi. Mais nous verrons, nous verrons. Bisous YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est Roleviking, du coup, sur Planet Zoo, loup arctique terminé, enclos terminé. C'est pas l'enclos le plus incroyable, mais disons que c'est un enclos pas trop grand. C'est déjà une belle prouesse, pour moi. Et surtout un enclos marié avec un autre dans une simple forêt commune, où prédateur peut voir au loin sa proie sans pouvoir l'atteindre. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Ah, t'as besoin d'herbes longues ? Ah bon ? Ah, ça m'arrange pas vraiment, hein. On n'avait pas regardé ça, faudra regarder. Qu'est-ce que je voulais faire, non ? C'était ça. 3780 mètres carrés. Oui, bon, c'est très très grand, hein. C'est très très grand, mais... Mais ça va. Ça va, ça va. Bisous Twitch, merci d'avoir été présent sur cette vidéo. Merci à Nia, Drix, Quick Quick Snack, Jaguar Tag, Alpha, Jenny, Kitty Pixel et Chloé, du coup. Bisous tout le monde, bonne journée. Et à la prochaine, et tout.